Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? C'est tout. Où l'avez-vous mis? C'est-à-dire, tout le discours que tu fais là, Matt, tu es venu me trouver, tu pleures. Tu dis, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Que je sois là ou pas, la seule question que je te pose, où l'avez-vous mis? Où ils t'ont mis aujourd'hui? Après ces 21 jours, tu vas sortir de là-bas. Or, tu n'as pas entendu pour dire Amen bien. Il dit, où l'avez-vous mis? C'est une histoire merveilleuse. La Bible dit, Jésus avait un ami qu'on appelait Lazare. Il y a quelque chose qui me plaît dans cette histoire, ami. La Bible dit, l'ami est en tout temps. Même dans le malheur, il devient un frère. Donc mon Dieu dit à Jésus, ton ami Lazare est malade, sur le point de mourir. Il dit la maladie de Lazare n'est pas pour sa mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guérison. Donc Jésus dit, ce que vous appelez problème dans la vie de mon ami, là, ce n'est pas un problème. Parce que celui de qui vous parlez, ce n'est pas mon camarade, c'est mon ami. Écoutez, un ami est différent d'un camarade. On peut confier son âme à un ami. On peut confier son secret à un ami. Jésus regarde Lazare. Il dit, ce Lazare de qui vous parlez là, ce n'est pas n'importe qui, c'est mon ami. Quelque temps après, on vient dire à Jésus, ton ami là, tu as dit, c'est la maladie, c'est pas pour sa mort. Il est mort.
On t'annonce qu'il est mort. Jésus dit, Lazare n'est pas mort. Il dort. Je veux dire à quelqu'un, c'est pas encore fini pour toi. Amen. Le propriétaire de la parole est dans cette salle. Amen. Est-ce que le propriétaire de la parole est dans cette salle? Ce n'est pas encore fini pour toi. Amen. Tu n'es pas mort, tu dors. Parce que ce qui me plaît, quand nous allons continuer le test, la Bible dit quand Jésus a crié, Lazare, ben je viens là. On dit ton ami là, il est mort. Marc, sa soeur pleure. Seigneur, si tu étais là, ton ami n'allait pas mourir. Je le dis à quelqu'un, peu importe la présence d'un oint de l'Éternel, sache une chose, une fourmi noire, dans la nuit noire, sur une pierre noire, Dieu la voit. Ça veut dire, partout tu te trouves, si tu as confiance en ce Dieu, quel que soit le malheur, il t'en sortira. Il dit, mon ami, là, je ne suis pas là, il est mort. Maintenant, je suis venu, je vous pose une seule question. Où l'avez-vous mis? C'est dans les cimetières d'Haïti. Je vais aller l'enlever. Tu n'as pas dit la même bien. C'est dans les forêts d'Haïti. Je vais aller l'enlever. Regardez, mon père spirituel a prié pour un jeune homme. Le jeune homme, voilà pourquoi je vous dis, venez à ces 21 jours, vous allez entendre des choses qui vont vous faire du bien. Le jeune homme, toujours qu'on prie pour lui, il tombe. Mais quand il se relève, tout est mort dans sa vie. Partout il arrive, il n'y a pas gain de cause. C'est échec sur échec. Tous les concours qu'il passe, même si on dit, il y a 100 personnes qui passent le concours et il y a 99 personnes qu'on va prendre, lui, il est la personne qu'on ne prend pas. Et c'est comme ça, un jour, mon père spirituel priait et Dieu révèle à mon père spirituel que cet homme a été attaché dans la forêt de son village. Il prend le jeune homme, ils arrivent dans son village. Il l'amène directement dans la forêt. Et qu'est-ce qui se passe dans cette forêt? Il y a une pierre sur laquelle est écrit tout le nom des arrière-grands-parents et les grands-parents de ce village. Ça veut dire que la vie de tous ceux qui sortiront de ce village-là, leur vie est liée dans cette forêt. Donc tu vis physiquement, mais spirituellement tu es quelque part. Voilà pourquoi la Bible dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est attachée quelque part, ta vie physique ne peut pas prospérer. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, à partir de ce soir, là où ils ont attaché ta vie est libérée. Là où ils ont enterré ta vie est libérée. Là où ils t'ont mis, je t'enlève de ces endroits au nom de Jésus. Lève la main, va dire, je sors de là où on m'a mis. Faut dire encore fort, je sors de cet endroit. Tu es aux États-Unis, mais ton âme est là-bas, en Haïti. Tu vois pas que toujours, souvent, tu fais des rêves, tu es toujours là-bas. Amen. Tu cherches pas là-bas. Amen. Ton corps est ici, mais ton âme est là-bas. Amen. Il dit, où l'avez-vous? Et tu te vois toujours en train de faire des réunions avec les gens. C'est là où on t'a mis, là. C'est là-bas que tu te vois toujours en rêve. Mais je te déconnecte de ces endroits et je t'emmène ici aux États-Unis. La bénédiction qu'il y a pour toi, tu vas posséder ça au nom de Jésus. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Là où tu es là, je te déconnecte de là-bas et je t'emmène dans l'abondance et dans la gloire au nom de Jésus. Il dit mon ami Lazare, maman, faut rester à la page là. Où l'avez-vous mis? Quelqu'un dit où on m'a mis? Faut dire où on m'a mis? Faut crier, vous m'avez mis où? Faut crier, faut dire vous m'avez mis où?
je sors de là-bas. Dis encore fort, je sors de là-bas. Faut dire encore fort, je sors de là-bas. Là où ils t'ont caché, là, Dieu va révéler l'endroit où on t'a caché. Parce que tes bouteilles vont exploser. Je vous dis, des canaries seront cassées après ce 21 jours de chair. Des canaries seront brisées dans vos régions. Des tombes seront fendillées et vous allez sortir de ces tombes au nom de Jésus. Tu es né pour être heureux. Tu es né pour te marier. Pourquoi les hommes te regardent? Pour rien, ils ne veulent plus de toi. On t'a mis quelque part. Tu prends une grossesse pour rien, fausse couche, tu es quelque part. Tu vas dans un travail pour rien, on dit bonjour, on ne veut plus de toi, on t'a mis quelque part. À partir de ce soir, tu es délocalisé, tu es retiré de cet endroit. Ta vie est retirée au nom de Jésus. Mes amis, Dieu ne peut jamais t'enlever de ta nation pour t'amener dans une autre nation pour échouer. Maman, allons-y. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis, Seigneur? Nous répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Le roi des Juifs dit, voyez comme il met. Il l'aimait, mais à cause de votre incrédulité, il pleure. Allons-y, maman. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de la veuve, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? C'est pas grave. Jésus frémissant de nouveau. Il faut qu'on parle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Si on ne parle pas, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. On dit celui qui a guéri les malades, celui qui a ouvert les yeux des aveugles, son propre ami là. Écoutez mes amis, qu'est-ce que nos parents disent quand on nous regarde? On dit vous n'avez pas dit vous êtes chrétien. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Les gens se moquent de votre Dieu. Mais il faut qu'on se moque. Regardez, quand l'ange est venu dire à Abraham, bonjour, ta femme Sarah sera enceinte. Quand Sarah a entendu, la Bible dit Sarah est tombée face contre elle, a commencé à rire. Le riz de Sarah était l'engrais de son miracle. Tu sais pas que quand les gens se moquent de toi, là, c'est de l'engrais qu'ils mettent dans ta vie pour que tu pousses. Parce que quand Sarah se regarde, 90 ans, la ménopause multipliée par 2. Et une femme d'un certain âge, comment un homme peut encore avoir des sentiments pour aller avec elle? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, faut dire amen, tu vas voir le miracle va venir vers toi. Dis amen encore, le miracle va venir vers toi. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Ton miracle, tant que tu vis, ton miracle va se manifester dans ta vie. Celui qui dit je reçois mon miracle, reçoit son miracle. Lève la main, toi, dis je reçois mon miracle. Cet homme, il ne pouvait pas guérir, mais ressusciter son ami. S'il venait, Lazare n'allait pas mourir. Maman, continue. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'est là-bas, il va se rendre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il s'en échappe. Voilà les histoires des sœurs. Le monsieur t'a posé une question, où l'avez-vous mis? Vous le conduisez à l'endroit, toi tu veux ajouter pour toi dedans. Il sent déjà, je n'ai pas de diplôme, je ne sais pas si je peux me marier. Le monsieur là ne me regarde pas. Quand il me voit, il n'a pas envie de me dire bonjour. Je ne sais pas, ici aux États-Unis, il y a des lois, il y a des règles pour réussir. La logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. Ce que Dieu peut faire, l'homme ne peut pas faire. Quand Jésus rentre enceinte dans une fille, il n'y a plus de logique humaine. La médecine a déclaré que je ne peux pas enfanter. Ça, c'est la médecine.
On n'a jamais dit la médecine guérit, la médecine soigne. C'est Jésus qui guérit. Je parle à qui dit amen bien. Mes amis, un homme qui a créé, mais il dit, la Bible dit, la nature nous enseigne. Quand les blancs fabriquent voiture, quand ils finissent de fabriquer la voiture, est-ce que sur la voiture, il y a une pièce unique? Il n'y a pas de pièce d'échange? Quand la voiture tombe en panne, on ne va pas chercher une autre pièce? Si l'homme peut réfléchir comme ça, à plus forte raison, celui qui t'a créé à son image, si on change... Laisse-moi te parler ce soir. Si l'homme peut réfléchir pour créer un premier secours, ça veut dire, si ton bras est cassé, il y a un bras secours dans le ciel. Si ton t'a chassé de quelque part, il y a une réserve que Dieu prévoit pour toi. Il sent déjà, c'est pas ton problème. L'homme se lève le matin, il vient vers Marie. Il dit bonjour, toi à qui grâce a été faite, tu tomberas enceinte. Le Saint-Esprit viendra sur toi, tu tomberas enceinte. Marie dit, comment cela se fera-t-il? C'est ton problème. Est-ce que c'est ton problème? Tu as envoyé Dieu pour venir dire tu vas tomber enceinte. Si Dieu a quitté son trône pour descendre pour venir te dire tu vas tomber enceinte, le reste là, c'est plus ton problème. La seule chose qui te demande quoi? Amen. Elle dit, comment cela se fera? Puisque je suis fiancé, je ne peux pas avoir de rapport avec mon fiancé. Comment tu peux me dire que je vais tomber enceinte? Ça, c'est le calcul des sorts. Ici aux États-Unis, il faut telle règle. Il y a des gens qui ne sont pas rentrés dedans, mais ils ont eu des bénédictions. Parce qu'ils croient que là où Dieu t'envoie, Dieu dispose des choses. Oh, je parle à quelqu'un, Je dis, Dieu est en train de disposer des choses pour quelqu'un ce soir. Dieu est en train de disposer des choses à partir de ce premier jour jusqu'au 21e jour. Dieu va disposer la grâce et la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Je n'ai pas de diplôme. Combien de disciples avaient des diplômes? Mais ils ont bouleversé le monde. Je suis incapable, je ne peux pas. Pourquoi tu veux déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur? Pourquoi tu veux dévaloriser ce que Dieu a déjà positionné? Pourquoi tu veux te mettre dans la catégorie des peut-être? Tu veux te mettre dans la catégorie des certainement? Non! Peut-être que, on dirait que, non! Toi tu es, il est écrit. Jésus l'écriture qui a été écrite par la main de Dieu ce soir. On va lire ton histoire. Quelqu'un dit j'ai été écrit. Faut dire Dieu m'a déjà écrit. On doit me lire. Qui croit qu'on va le lire? Tu sais comment on va te lire? On parlera de ce qui sortira de toi. Alléluia. Elle dit, Seigneur, il sent. Déjà. C'est pas ça? Déjà. Il sent. Déjà. Mais ce qui a attiré le Seigneur, mais c'est la mauvaise odeur là qui m'a attiré. Amen. Si tu ne sens pas mauvais, Jésus ne peut pas rentrer en scène dans ta vie. On doit dire c'est fini pour toi. Amen. On doit te tourner le dos. Amen. Mes amis, quand vous traversez des moments difficiles et que tout le monde vous abandonne, ne pleurez pas. Parce que le temps de Dieu, quand il va rentrer en scène dans ta vie, Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un homme. C'est la main divine de Dieu qui va changer ton histoire. Les gens ne vont pas se taper la poitrine pour dire c'est à cause de moi que tu es devenu ceci. Parce que Jésus, quand il rentre, il change toutes choses dans ta vie. Elle dit, il sent déjà. C'est ta faiblesse.
Qui a-t-il Dieu pour te rendre fort? Parce qu'un homme qui est déjà fort n'a plus besoin de Dieu. Un homme qui se suffit n'a plus besoin du Seigneur. Elle dit, il sent déjà. Jésus dit, c'est parce qu'il sent que je suis venu. Ne crois jamais que tu es le dernier de la société. S'il te plaît, ne faut jamais croire en ça. David a su sa pièce d'identité. C'était écrit berger. Ça veut dire que quand David s'approche de toi, ce n'est pas une bonne odeur. Un homme qui suit les moutons, quelle odeur qui sera sur lui? Mais c'est cet homme qui avait la mauvaise odeur de mouton sur lui qui est devenu le roi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu dois sortir de ton état, l'état dans lequel tu es. J'ai le cancer, c'est fini. Pourquoi? Je suis malade, c'est fini. Pourquoi? Il dit, Moïse, dis aux enfants d'Israël, je suis celui qui suis. Et puis même toi. Mais je suis celui qui suis là. Il faut continuer la phrase. Je suis ton pourvoyeur. Je suis ton guérisseur. Je suis ton défenseur. Je suis ton mécanicien. Je suis celui qui parvient ta vie. Je suis le suis là. Mets tout ce que tu veux. Je suis ton gestionnaire. Je suis celui qui gère ton compte en banque. Je suis ton employeur. Je suis celui qui est capable de tout faire. Je vous ai dit ce matin, là où vous mettez Dieu, c'est là-bas qu'il prend plaisir. Maman. J'appose. Alléluia. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. C'est Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Maman, c'est français, ne t'ai-je pas. Ça veut dire que toi et moi dans le passé, tu m'as suivi dans mes croisades, tu m'as suivi dans mes réunions de prière, tu as vu des morts ressuscités, tu as vu des guérisons. Autour de ton frère, tu pleures. Je ne t'ai pas dit que si tu crois, quelle que soit la situation. Que celui qui dit ya, reçoit son miracle. Vous savez, aux noces de Cana, la Bible, le vin arriva à manquer. Les gens sont partis, ils ont cherché le vin, il n'y avait plus. Marie, la mère de Jésus, dit aux gens de la fête, tout ce que mon fils va vous dire, faites-le. Yes. Vous savez pourquoi? Si tu n'as pas l'adresse de quelqu'un, tu ne peux pas parler de lui. Si tu n'es pas habitué à voir quelqu'un faire quelque chose, tu ne peux pas témoigner de lui. Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que quand Jésus était avec Marie, qu'elle préparait la nourriture, qu'il n'y avait pas de viande, il suffisait que Jésus passe la main, la viande apparaît. Voilà pourquoi elle a dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Si Dieu a envoyé l'eau pour changer en vin, parce que j'ai déjà vu cet enfant chez moi à la maison, changer de situation. Donc tout ce qu'il vous dira, faites-le. Il dit, ben, ne t'ai-je pas dit? J'ai dit, quand vous venez ici le dimanche, et puis le bishop prend sa feuille pour faire des proclamations prophétiques là, vous le faites comment? C'est avec la bouche ou c'est avec le cœur? Parce que si c'est avec le cœur, qu'une situation vous arrive, ces proclamations là, vous allez les faire.
foi dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche. Mais quand tu confesses de ta bouche que tu ne crois pas dans ton cœur, le miracle ne peut pas venir. Donc souvent on est à l'église. J'ai proclamé you, et l'esprit des morts, vous faites ça, mais après là, quand la maladie vient, est-ce que vous ne pleurez pas? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? C'est-à-dire, quel que soit, quoi? Le mot croire, c'est avoir confiance. Avoir confiance qu'il peut changer toute chose. Il y a un moment, on était en prière. On priait. Elle rentre dans la maison, sa fille était malade. Elle va être touche sa fille est morte. Elle vient nous trouver. Elle dit, votre soeur est couchée là-bas. On va regarder la jeune fille, elle est morte. La maman a soulevé sa fille. Elle dit, Seigneur, pendant que je priais, tu ne m'as pas dit que ma fille allait mourir. Je m'en vais la remettre dans la chambre. Quand je reviens, elle doit s'élever. Minutes après, la maman rentre dans la chambre, la petite est élue, elle s'assoit et dit, maman, j'ai faim. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras le mariage venir. Si tu crois, tu feras l'argent venir. Si tu crois, tu feras tes papiers venir. Si tu crois, tu feras la situation changer en ta faveur. Au nom de Jésus. Tant quelqu'un à côté de toi, faut lui croire. Faut taper ton frère, faut lui dire, oh, crois un peu, mon frère, crois. Faut lui dire, arrête de douter. Hein, maman? Ça peut aller? Est-ce que ça va? Quelqu'un est béni ce soir? Dis, je sors du tombeau. Faut dire encore plus fort. Dis encore plus fort. Je n'ai pas entendu. Faut dire fort. Je sors du tombeau. Bishop, tu es béni. La bénédiction est trop sur toi. Jésus lui dit. Vous savez, maman, une seconde. Ce ne sont pas toutes les prières qui trouvent exaucement. Ou bien ce ne sont pas toutes les situations, pardon, tous les sujets qui trouvent exaucement par la prière. Il y a des sujets qui trouvent exaucement par l'offrande. Voilà pourquoi quand Pierre a lancé son filet toute la nuit, le maître de la pêche, dans la région, on le connaît comme étant l'expert en pêche. Mais toute la nuit, il a pêché, il n'a rien eu. Ça veut dire qu'il a mis son intellectualisme devant. Quand Jésus est arrivé, Jésus dit, lance ton filet, dit, je vais t'expliquer quelque chose. Dans la région ici, là, quand on dit concours de pêche, je suis le premier. Je sais où les poissons dorment, où ils se réveillent. Donc j'ai déjà lancé mon filet dans tous ces endroits. Je n'ai rien eu. Jésus dit, toi, tu as maîtrisé l'eau, tu as lancé, où il dort, où il se réveille. Mais moi, là, j'appelle à l'existence ce qui. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je dis, lance ton filet. Il dit, suis ta parole. Toute parole qui sort de la bouche d'un prédicateur inspiré de l'esprit. Quand tu sais s'aimer dessus, tu saisis le miracle et ta vie sera glorieuse. Quelqu'un dit, je saisis. Hein, maman? Verset 41. Mm-hmm. Ils sautèrent donc la pierre. Mm-hmm. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Pierre, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mm-hmm. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mm-hmm. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Mm-hmm. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est tout. Mm-hmm.
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Amen, 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 amen. Ayant dit cela, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il cria d'une voix forte. Il a crié d'une voix comment? Pour appeler celui qui était dans le tombeau. Ton miracle ne viendra pas dans les menus. Ton miracle ne viendra pas dans la paresse. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, de puissance et d'autorité. Il cria. Maman, il a dit quoi? Lazare sort. Lazare. Je n'ai pas tombé de mourir. Lazare. Les gens pensaient que Lazare c'était fini pour lui. Ils avaient déjà partagé ses biens. Les gens se moquaient déjà des enfants de Lazare. Les gens se moquaient de la femme de Lazare s'il avait eu. Les gens avaient déjà fait le calcul sur ses biens. Mais ils ont oublié que Lazare avait un ami. Ce que les gens oublient, ils oublient qu'il y a quelqu'un qui a tissé alliance avec toi. Ton histoire n'est pas encore terminée. Oh, est-ce que quelqu'un, un homme, une femme peut me dire amène bien dans cette salle? J'ai dit, quelqu'un lève la main et dit, je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Ton histoire n'est pas encore terminée. Ils ont oublié que Lazare avait un ami qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Les gens rient là, ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un. Regardez. Amen. David dit, tu viens contre moi avec la lance de javelot. Moi je vais contre toi au nom de qui? Maintenant la Bible dit, David est allé vers le torrent. Et il a pris quoi? Cinq quoi? Goliath est devant lui. Et puis David va dans le torrent pour prendre la pierre. Pour prendre une pierre, qu'est-ce qu'on fait? Maman, viens. Viens. J'ai pris un lotus. Un papier. Lotus ou un papier. Coupe quelque chose rapidement. Maman. Quand la maman a arrêté là, est-ce que si quelqu'un est ici, une petite taille, puis l'arrière, est-ce qu'il peut voir derrière? Non. Hein? Il ne peut pas voir derrière elle. Donc David est arrêté. Goliath est devant lui. Et puis il suit Goliath. Il décrit Goliath. Il dit, toi tu viens contre moi au nom de ton nom. Avec la lance de javelot, moi je viens contre toi au nom de qui? Maintenant David fait quoi? Prends. Faut rester comme ça. Quand il a fait quoi? Il a ramassé, non? Où est-ce que David est en train de faire? Quand David insulte Goliath et qu'il s'abaisse, il est en train de dire à Goliath, tu regardes ce qui est derrière moi. Regarde ce qui est derrière moi et puis je t'insulte. Donc, en s'abaissant, il dit à Goliath, je ne parle pas pour parler, mais je parle parce qu'il y a quelqu'un derrière moi. Écoute-moi, il y a quelqu'un il y a quelqu'un derrière toi qui va prendre ta défense dans tes combats. Il y a quelqu'un derrière toi qui va guérir ta maladie. Il y a quelqu'un mon frère, message, là, il va toucher ça demain. Maintenant, maman, il dit quoi? Lazare sort. Hein? Lazare sort. Hein? Lazare sort. Et puis? Et le mort sorti. Mais voilà, là, là, il y a un problème. On dit Lazare sort et le mort sorti. Pourquoi on ne dit pas Lazare sorti? On dit « et le ». Et le. Oh, c'est de Lazare, il est question.
Mais on dit Lazare, sort et le mort. Vous avez compris le? Parce que la résurrection n'est pas rattachée seulement à Lazare. On dit et le. Donc à la place de le, il faut mettre ton nom. Et il va sortir. Au nom de Jésus. Ça veut dire que Lazare a lu son cas et déjà réglé. Maintenant le. Il va se toi. Le, c'est toi. Le. Ça veut dire qu'à la place de le, tu dois mettre ton nom. La résurrection n'est pas seulement pour une seule personne. La résurrection n'est pas seulement pour Lazare, mais la résurrection c'est pour toi aussi. La résurrection c'est pour ton travail. La résurrection c'est pour tes affaires. La résurrection c'est pour ton foyer. La résurrection c'est pour ton mariage.